Allô? Ouais, salut Laura, c'est Cody à l'appareil, ça va? Oh Cody, t'as pas encore changé de prénom? Ben non, pourquoi? Bon, non. Comment ça va? Ça va super. Dis, j'ai une grosse proposition à te faire. Je te dirais de nous rejoindre pour fêter avec nous la centième grand cactus. Non, pourquoi? Comment ça, non? Parce que c'est la centième du grand cactus. Et... Donc voilà quoi. Donc ouais, tu sais, dans les anniversaires, il y a toujours une pour casser l'ambiance, donc on a pensé à toi. C'est-à-dire quoi? Pour qu'il y ait une ambiance à casser, il faudrait peut-être déjà qu'il y ait une ambiance à la base? Tu rigoles ou quoi? Il n'y a pas un plateau télé où il y a une plus grosse ambiance qu'au cactus. Quand tu dis plateau télé, tu parles de votre garage de 10 mètres carrés, avec les couleurs des années 80, et une grosse bite verte en plein milieu? C'est pas une grosse bite verte, c'est un cactus. Ouais. Vous pouvez me raconter ce que vous voulez. N'empêche qu'ici en France, tout le monde me demande pourquoi dans mon pays, il y a une bande de débiles qui se rassemble une semaine sur deux autour de la bite de Shrek. Ouais, mais en Belgique, tout le monde se demande pourquoi il y a une blondasse qui ruine le capital sympathie des Belges en allant insulter tout le monde sur les plateaux télé. Mais n'importe quoi, tout le monde m'aime en Belgique. La dernière fois que je suis venu au cactus, les gens ils étaient tellement contents. Vous avez fait la fête toute la soirée, toute la Belgique était en fête. Non, les gens étaient tellement contents de te voir repartir, ok? Tu sais pourquoi on a fermé les frontières? À cause du Covid? Non! Pour éviter que tu retraverses la frontière dans l'autre sens! Et toi, pourquoi tu crois qu'il n'y a pas eu de troisième confinement en France? Parce que quand ils ont vu ta tronche débarquer sur M6, ils se sont dit, c'est pas possible! On peut pas laisser les gens enfermés chez eux avec cette bouse à la télé! On va te faire Elle cartonne la émission sur M6! Mais personne, pas du tout! Espèce de pauvre taré! C'est juste le public d'M6, ils se marraient devant n'importe quelle merde! C'est pas sur M6 que t'as gagné Incroyable Talent? Dis-tu que t'as gagné un code de talent? Ah, t'as pas d'argument? Non, pas du tout, je t'imitais. Je croyais que ça allait te faire plaisir. C'est ton truc, ça, les imitations pourries, non? Non, mon truc, c'est de raccrocher au nez les grosses. Ouais, parce que ça raccroche, ouais. Et retourne sur ton plateau des années 80, il y a Phil Collins et Plastic Bertrand qui t'attendent. Ah, tu sais ce qu'il dit, Phil Collins? Non, c'est pas ce qu'il me dit, Phil Collins. I can feel it calling in the air tonight. Oh, Lord. And I can't mais wait for this ça, moment all my tu fais pas de life. l'anglais, ce que tu... Ça, c'est une bonne imitation! Pauvre type!